Quel scénario fou dans cette poule B de la Coupe d'Afrique des Nations. 2-2 entre le Cap-Vert et l'Égypte. Score identique entre le Mozambique et le Ghana avec des buts marqués dans les arrêts de jeu. Finalement, c'est le Cap-Vert qui passe, ça on le savait déjà, suivi de l'Égypte avec 3 points pour décrypter cette journée. Maher Mezaï est avec nous, journaliste algérien. Maher, quel scénario fou dans cette poule. Absolument incroyable. Regarde, à la 85e minute, on était tous ici au stade. On pensait que le Ghana allait finir deuxième dans le groupe et l'Égypte troisième avec 3 points. Et après, il faut les calculs pour les Égyptiens. Après, les Égyptiens, ils ont marqué. Alors, on pensait qu'ils allaient prendre le devant et devenir deuxième dans le groupe. Après, le Cap-Vert a égalisé. Et après, on se rend compte au stade que non, le Ghana, ils ont fait match nul. Ils ont concédé 2 buts dans les temps additionnels là-bas au stade d'Ebimpe. Alors, on a eu 4 buts concédés dans les dernières 5 minutes des deux matchs. C'est absolument fou. C'est absolument fou. Et l'Égypte qui passe donc avec 3 points, ils sont toujours là, présents, ces finalistes de la dernière édition. Ils ont fait 2-2 dans leurs 3 dernières rencontres. Est-ce que vous avez trouvé une équipe d'Égypte assez poussive ou bien c'est l'adversaire qui a répondu présent à chaque fois? Écoute, le Cap-Vert, ils ont fait 5 changements avant ce match. Alors moi, j'anticipais que l'Égypte allait gagner, franchement. C'est pas juste les finalistes de 2021, c'est aussi les finalistes en 2017 aussi, contre le Cameroun. Alors moi, j'attendais un peu plus l'Égypte, malgré l'absence de Mohamed Salah. Bon, on a vu une équipe qui voulait attaquer, qui ont créé des occasions, qui n'ont pas forcément concrétisé ces occasions. Mais je pense que le grand problème pour l'Égypte, c'est qu'ils sont en train de concéder trop de buts. Ils ont concédé 2 buts aujourd'hui et 2 buts dans chaque match des groupes. Alors, le coach Rui Vitória, il a parlé de ça dans la conférence de presse, il doit absolument réparer ça. Alors, un mot quand même sur cette séduisante équipe du Cap-Vert. Au finish, 7 points, une équipe qui n'était pas attendue dans une poule avec l'Égypte et le Ghana. Je pense que le Cap-Vert sont en train de jouer le meilleur football tactiquement, techniquement dans ce tournoi, peut-être avec le Sénégal. Comme j'ai dit, on a vu 5 changements aujourd'hui dans le titulaire. Et même comme ça, ils sont en train de sortir le ballon, balle au pied. Tactiquement, c'est très serré en défense, c'est compact. Et quand ils ont le ballon, ils n'ont pas peur. Et ils vont sortir le ballon tranquillement. Et j'étais absolument impressionné par cette équipe. Et je pense qu'ils peuvent vraiment créer les surprises et aller loin dans ce tournoi. Voilà donc le Cap-Vert et l'Égypte sont qualifiés dans cette poule B de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En direct de la salle de conférence du Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyé spéciaux Equinox Télévision.